Le brevet, c'est dans moins d'un mois et tu galères toujours à développer une expression. Je te montre comment faire. Étape par étape, en moins de 30 secondes, c'est parti. Étape 1, on identifie ce qu'on a dans l'expression. Ici, une distributivité simple et une parenthèse. Étape 2, tu sors ma fiche de révision pour t'aider. Écris calcul en commentaire et je te l'envoie le plus rapidement possible. On reprend. Étape 3, on commence à développer comme indiqué sur la fiche. Donc ici, le k, c'est 4. Donc 4 fois x qui nous donne 4x. Ensuite, 4 fois 2 qui nous donne 8. Ensuite, on passe à côté. Donc on a 2 plus 3x. Il n'y a rien à faire, mais avant, il y a un moins devant la parenthèse. Donc on a dit que quand on a un moins devant la parenthèse, tout ce qui est dans la parenthèse change de signe. Donc le 2 qui est positif, qui est en réalité plus 2, va devenir moins 2. Et le plus 3x va devenir moins 3x. Le x égale à 0 ne bouge pas. On se retrouve avec 4x plus 8 moins 2 moins 3x. Ok, on a 4x et moins 3x qui peuvent se simplifier entre eux. Donc 4 moins 3, ça fait 1. Donc il nous reste un seul x. 8 moins 2 va se simplifier, ça va nous donner 6. Donc on va avoir x plus 6 égale à 0. Et là, ça pourrait terminer, mais on va être joueur et on va essayer de résoudre l'équation. Donc on va passer le 6 de l'autre côté, qui va devenir moins 6 au lieu de plus 6. Ce qui va nous donner x est égal à moins 6. Et c'est terminé. Je te laisse me donner la réponse pour la deuxième expression et je t'invite à t'abonner car je publie une vidéo pour préparer le brevet tous les jours. Allez, à très vite. Ciao, ciao.